300 denis de poule. La tank est à moitié folle. Ça fait 8 heures que roule au secours. Faut prendre son mal en patience, on avance. 1300 de fora. Prochain à la Martina. Où l'oiseau ne dort, amassé tout bras. Le fleuve déjà se détend du matin. Oh, 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 Saint-Hilaire, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières comme une prière. Oh, 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 tout le long de la grande rivière, la bonne c'est comme ma soeur, la connais par cœur. Trois cents de poids lourd me poursuivent et j'accélère. Fonce à planche pour mettre au cœur. Yes sir. Il manque rien qu'un CB pour t'appeler. 1300 des idées sont sur le bord me dépasser. Va finir par déraper ou n'aller. Y'a plus de place dans le coffre à gants depuis longtemps. Oh, 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 Saint-Hilaire, Saint-Valère, Saint-Albert et Trois-Rivières comme une prière. La bonne c'est comme ma soeur, la cuna par chair. Le Festival International Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et de la Cantine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Avec plus de 150 concerts et activités pour toute la famille. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com. Du 26 mai au 4 juin 2023, le OFTEA Festival d'art vivant vous emporte dans une quête d'ivresse artistique, une célébration essentielle qui appelle au réenchantement. À travers des propositions où la fantaisie se fait restaurative, les artistes de cette édition cherchent à élargir et à ébrécher le réel. Venez célébrer avec nous l'effervescence de la scène émergente. Réservez vos billets et accédez à l'entièreté de cette 17e édition sur oftea.com. Le meilleur endroit pour découvrir les compagnies émergentes à petit prix, c'est au Fringe de Montréal. Du 29 mai au 18 juin, célébrez les artistes locaux, nationaux et internationaux en assistant à des spectacles de théâtre, d'humour, de danse et plus encore. Le Fringe de Montréal, c'est la fête bilingue des arts indépendants la plus importante à Montréal. Rapha, Sarah et Lisanne, on est les Shirley, vous écoutez Choc.ca. Ça part pas, là. Ça part pas, Mathieu. Commence l'émission quand même, là.
C'est la troisième demi qui a pas de chance au thème cette semaine. Bienvenue à la troisième demi. Soccer ludique. T'avais-tu la joke d'une toune que tu voulais mettre? Non. En plus, dommage. Non, j'avais pas ce gag-là cette semaine, mais... Comme c'est le début de la troisième demi. Podcast Soccer Ludique. Tu m'entends-tu, micro 1? Sur les ondes de choc.ca. Ah, OK, ben ça fonctionne, Mathieu. Voici la troisième demi. Ben oui, c'est la troisième demi. Toujours le podcast le plus professionnel de choc. Whatever, m'arrêter de faire semblant comme si j'ai compté. Ça fait trois semaines que je suis pas venu et je regrette amèrement ma présence pour le moment. Oui, vous avez 42 minutes pour me faire changer d'idée. Parfait. Ben avec nous, on a Étienne Boutier. J'ai mal au dos, man. Pour vrai, je suis fatigué. T'es sûr que t'es pas un personnage? Non, c'est juste moi tout le temps. Okay. On a avec nous aussi Simon Paquette. Yeah! Salut Mathieu. Comment ça va? Yeah. Ça va full bien. Aujourd'hui, appelle-moi pas Simon Paquette, appelle-moi Simon Baseball. Oh, Simon Baseball. Merci. Wow, elle est partie. Ben, parlant de baseball, on a Richard Dess. Allô. Ça va bien tout le monde? Ça va bien. Yes. Ça va super bien, merci. Et on a aussi avec nous un humoriste... François Doyon. Yeah, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous mes fans et fans de soccer, qui sont pas mal les mêmes personnes. Alors, bonsoir, très content d'être là ce soir. Yes. Les fans de soccer ont vraiment beaucoup d'humour, fait que je peux comprendre que... Ben, c'est un jeu crissement absurde, hein, ouais. fait que ça pogne. Oui, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au soccer, les gens le prennent vraiment pas personnel. Non, on a changé de logo deux fois, puis c'est absolument rien passé. On a changé de président, c'est absolument rien passé. Il se passe jamais rien, tout le monde est toujours content. On va avoir un petit chat sur le terrain pendant deux minutes, pendant une game, puis ça serait, on en pourra parler pendant une semaine. Ouais. Ben, je pense qu'on en parlera pendant une semaine, ou sinon on pourrait faire une toune avec Radio. Ah, ben ouais. Hey, pour vrai, là, c'était pas si pire que ça. Non, mais je l'ai réécouté la semaine passée, puis on dirait que comme. Ouais, c'est sûr que c'est pas parfait, mais 100% des fois où Radio a fait une performance live, Didier Drogba a marqué 3 buts. Ah, ben oui. Ça, voilà. C'est Didier. Voilà. Ouais, oh, mais Dieu, ils l'ont fait une fois live, là. Pis ça. Ouais, que c'est beau, regarde, j'ai arrêté. Hein? T'es factuel, Étienne. Ouais, c'est ça. Hey, y'a-tu quelqu'un qui a commandé ça cette semaine? Ouais, ok. Moi, je suis commandité. J'ai un commanditaire aussi, mais vas-y, Frank. Moi, je suis commandité par les six sauteuses Serge Sanson. C'est un petit magasin à Vallée-des-Monts. Donc, si vous avez un besoin de six sauteuses, sixsauteusesergesanson.com en un mot. Merci beaucoup. Wow. Ça donne envie d'y aller. Ben oui. Ben écoute, je vais aller dans le même sens. Moi, cette semaine, mes commanditaires, c'est Armoire Cuisine Action de Notre-Dame de Stainbridge. C'est très bon. Si vous avez besoin de nouvelles portes et fenêtres, ben des armoires liées à la cuisine et de l'action. Aller à Notre-Dame de Stainbridge. L'action! Exact. C'est le nom de l'équipe, je pense, senior à Farnham aussi. Hein? Ouais, c'est pour ça que je me rappelle d'eux. Ils m'ont déjà torché au baseball! Simon Baseball! Sinon, pour moi, mon candidat cette semaine, ça va être Never Real Company d'Aï Klim qui s'en vient à choc. S'il vous plaît. Mais moi, j'ai tu sais, là, j'ai de plus en plus de front dans la vie, là. Je le vois dans le front. J'ai moins de cheveux, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Non, j'ai plus de front. J'ai plus de front. Un front qui perle actuellement. Sinon, regarde, on va commencer avec les nouvelles brèves, comme d'habitude. Vous êtes... Ouais, je sais. Attends. M'a déjoué un peu. En ce moment, tu sais, il y a Jude Bellingham au Real Madrid. Il sera officialisé la semaine prochaine. 100 millions d'euros, blablabla. Ben moi, j'aimerais ça vous parler de Job Bellingham, son petit frère. Hein? Jude et Joe. Job. Oui, c'est comme si je faisais genre le frère de Simon Limon. Puis Benny H.B. Seal. Je sais très bien, mais Joe Bellingham est il est présentement à l'académie de Birmingham. Et il va signer pour un autre club anglais. Ok, faut qu'on devine. Sunderland? Sunderland? Oui! Sunderland, c'était sûr. Pour un montant de 3 millions d'euros, soit 97%. Il y a 17. Ok. C'est un peu comme le petit frère de Gretzky. Ouais, c'est vrai, c'est pas. C'est Brent Gretzky. Ok, mais comme en même temps, mon équipe est en deuxième division. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben non, c'est vrai. À part prier le petit Jésus. Ben quand même, 3 millions pour un gars de 17 ans, c'est quand même l'argent. Ah non, c'est ça. C'est pas le petit frère de Gretzky. On s'entend, c'est les rumeurs. Peut-être ça va être moins, peut-être ça va être plus, peut-être
qui vont juste faire comme Neural Transfert puis dire « on dit pas le montant ». Moi, j'attends la confirmation de Fabrizio Romano. Donc, si Fabrizio le dit pas, c'est que c'est pas confirmé. Mais en même temps, je pense que Fabrizio, il s'en crisse pas mal. Ça m'étonnerait. Non, c'est lui qui a remporté le nouvelle. C'est son frère, là. N'importe quel kid de 17 ans, Fabrizio, il est comme dans les ligues. Qu'importe ce soit où, c'est comme « c'est le frère de Hazard. Oh, c'est le cousin de la fesse gauche de Hazard. » Ça va toujours ouais, être non, ça. Ouais, c'est sûr, mais ouais. Ouais. Savez-vous qui vient de signer avec les Red Sox de New York? Limon Paquette! Mon frère! Yes! Je suis déjà tanné. Ouais, il reste combien de temps, là? Okay, il reste 38 minutes. On va passer ça rapide. Il y a des joueurs de la CPL qui sont linkés du côté de la MLS. Soit Sean Young. Boring! Et Matteo Debrink, m'en calisse, je le fais quand même. Ouais. Théo Hernandez passerait de l'AC Milan au Real Madrid. Moi, il fait rapidement, OK? c'est méchant. Non, mais. OK. Est-ce que t'as vraiment fait Saint-Hyacinthe-Montréal juste pour crier boring? Wow. J'attendais juste ça. Ça me tente plus. Ben non, continue. T'es bon, Mathieu. C'est qui le prochain Waterman, là? On t'aime, Mathieu. Je sais pas. Fireman. Fireman. Yes, sir. Fireman. C'est un métier, ça. Ouais. Sinon, bon, regarde, là, je vais me faire insulter. Non, non. Mais il y a Miguel Perez de Saint-Louis qui, le jeudi, graduait du secondaire. Oh. Et le samedi, faisait son premier but. Ça, c'est hot. Mais tu sais, moi, je me rappelle très bien, à cette époque-là, tout ce que je faisais, c'était genre pocher mon examen pour mon permis de scooter. À 17 ans? Non, j'arrêtais. Je l'ai fait deux fois, puis genre, j'étais comme, hey, je suis vraiment pas assez mature pour ça. Mais le permis de scooter, à la limite, il est donné dans les boîtes de céréales, Mathieu. Là. Ouais, mais j'étais allergique au gluten. Non, il me semble qu'à 17 ans, j'avais mon permis de conduire. J'étais déjà là. Je pense qu'il a voulu faire du joke pour être tout à fait. Ouais, c'est ça, t'es en train de réfuter ce qu'il a dit. Boring! Ok, c'est beau. Ça marche. Merci. Ça, c'est boring. Ça, c'est boring. Ça, c'est boring. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est mon vrai commentaire de la semaine. Vas-y. Alors, mon vrai commentaire de la semaine, c'est l'homme sur 8 qui amène des condoms aux funérailles juste au cas. Hein? Ça mène à où, ça? À peine de part, c'est mon commanditaire. T'as trop de confiance, mon chat. OK, ben ouais. Trop quoi, Juste au cas. Il vous reste 36 minutes, les gars. Étienne. Là, j'ai chaud, là. Bon, ouais. Va-tu avec des plats? Bon, OK. Un nouveau est venu dans le FC Prison. Oh! Il est actif. FC Prison. Oh, ouais. Ça joue en dedans, ça. Simon, peux-tu expliquer en le FC Prison, secondes? C'est un groupe, un compte sur Twitter, en fait, qui agit un peu comme étant un vrai club sur Twitter, même si c'est un club fictif. Puis à chaque fois que quelqu'un dans le monde du soccer ou du foot s'enligne pour faire de la prison, il est accueilli dans ce club-là. Ah, c'est bon. Fait qu'ils vont tout le temps caler les transferts et tout. Donc, nous venons de signer un tel pour 6 ans. Mais tu viens de comprendre. C'est la raison qu'il transfère, c'est sa peine. C'est sa peine. Je comprends. Etc. J'adore ça. Mais là, c'est Douglas Costa du LA Galaxy qui ne paye pas ses pensions alimentaires. Alors, j'ai bien dit 7 pensions alimentaires. 7 pensions. Oui, parce qu'il y en a plus qu'une. Bon. Donc, il peut plus revenir au Brésil. Faut qu'il reste là. OK, fait qu'il... Il devrait être correct, là. Fait que c'est un FC prison en prêt. C'est un... en prêt à l'étranger. C'est un short-term loan. OK, c'est un ça. Prêt de courte durée. Parlant de courte durée, mais non, ça, c'est une longue durée. Chris Klein est renvoyé de ses fonctions de président du LA Galaxy. Il était temps. Il était pas si pire, non? Ah non, il était terrible. Excuse-moi, là. Off. Il était terrible. J'ai pas de commentaire à ajouter, mais juste comme le fait que... Je disais juste ça pour te partir. Plus ou moins que Toronto, mettons, Bradley? Moins. OK. Moins. Fait que terrible, mais pas diarrhée. Je pense que j'aime mieux Nick DeSantis que lui. Ouais, tu peux l'aimer. Nick DeSantis, en aimant, il est pas super. Ben, ça, c'est le temps. Là, c'est un hot take là, que tu fais. Ah ouais. C'est un hot take. OK, Nick DeSantis ou genre Kevin Gilmore? Nick DeSantis. Mais là, Kevin Gilmore. Ouais! 100%, chum. On devrait l'inviter au spécial 110%. Ouais. Ben, Kevin Gilmore, il était plus subtil dans avantager ses amis. Puis c'était moins à chier sur le terrain. Moi, j'ai vu une fois pour de vrai Kevin Gilmore. C'est moi puis Pierre, on était dans la boutique du stade. Puis il rentrait avec un enfant, pas de chou, en disant lequel tu veux.
En te pointant à toi et Pierre? En pointant les chandails comme il y a du vœu. Ben, c'est cool. Mais il n'y avait pas de cheveux par style? Ou il avait pas, t'as-tu posé la question avant de raconter cette anecdote-là? Ben, ça fait quand même 4 ans, puis j'estimerais. Que... Okay, y a comme une chance sur deux que le kid soit mort. On ne soit plus là. C'est ça, c'est ça. Bon, ben, on dédie cet épisode à l'enfant au chandail. Bon, le point que je voulais venir. BMO et le CF Montréal lancent un programme féminin. Ouais! Enfin, let's go! Mais ça existait déjà. Il y a déjà une équipe féminine, c'est juste que là, ils ont décidé de l'annoncer. Comme... Ben, moyen, non? Ok, c'est bon. Non, parce que tu sais, il me semble cette année, quand. C'était plus un projet pilote, non? Les équipes, tu sais, il y avait une équipe féminine avec les chandails du CF Montréal, sont allés donner une volée au PSG. Le PSG, ouais. Ouais, au PSG féminin, mais je pense que c'était comme les filles d'équipe Québec. Okay. Pendant genre le temps d'une fin de semaine, c'était Montréal qui les, je sais pas, ils ont peut-être payé les billets d'avion pour qu'ils aillent voir le PSG, là, mais compte porter notre chandail. Mais là, je pense que comme officiel, il y a une team. Cool. Ouais, Académie féminine. Là, it's real, c'est véridique, et on va essayer d'avoir des passes médias pour ça aussi. Ouais. Let's go. Let's go. Ça aussi, il faut dealer avec Arcadio. Ils vont comme dire qu'il est trop tard dans la saison. Hey, hey, hey. J'ai contacté Arcadio tout récemment, puis c'est pas mal long pour avoir une réponse. Ben, je vais t'envoyer l'email. Hey, ça règle le linge sale en public. Mais non, mais c'est le club, anyway. Je pense pas que ça faute Arcadio. Je pense que c'est le club qui dort au gaz. C'est le club. C'est le club. Arcadio, je l'ai vu à Love Story, puis il avait l'air à lui. Non, mais ça, t'as. On n'a plus le droit d'en parler. On peut même pas en parler. Il y a autre chose que ça. C'est clair. Comme toi, t'es autre chose que ton grand frère. Oups. C'est la première personne qui dit ça. Ah, c'est ça. Merci, Montréal. Et Canada Soccer ont donné une contravention monétaire au Toronto FC. Des peanuts. Ben, puis ils disent même pas c'est combien, fait que ça doit être encore ridicule de juste comme, hey, vous êtes mes bons chumés, puis... C'est 2000$, on va voir ça autre chose. Moi, je continue à dire qu'il y a deux côtés à cette médaille-là. Oui, mais on dirait que c'est dur de prendre pour le côté face. Face, parce que c'est la reine qu'il y a là. Ouais. Okay. Ouais, ouais. C'est dur. Mais on n'était pas là, on sait pas ce qui s'est passé. Puis parce que... on les voit, là, les shirts qu'ils portent, les gens de Montréal qui sont là, là. Oui, on sait très bien c'est qui. Là. Moi, j'étais là, puis je vous le dis, c'était pas beau, puis je vais pas en parler à ça. Ouais, t'as raison. T'as-tu asséné des coups de poing? Moi? Ouais. Check ça, tout enflé ces jointures-là. Ça fait un mois. Fait un mois. Tu m'as-tu le bon? Deux comme ça. Oui. Deux comme ça. Mais sinon, si Simon, tu veux revirer de la caméra vers François, est-ce que tu aurais une chronique pour nous autres? Ben, en fait, c'est plus une chronique, c'est qu'un don de moi. Premièrement, j'aimerais vous dire merci de m'inviter, mais aussi félicitations. Félicitations d'enfin... avoir accès à toutes les connaissances de soccer que j'ai dans ma tête. Parce que oui, je suis quelqu'un... C'est correct les caméras? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est parce que ça me dérange quand je parle. Ah, je comprends. Okay. Premièrement, je voulais juste savoir, c'est quoi votre niveau de connaissance en soccer? Bon, débutant, sur 10 moyen? Ou ouais, sur 10. Un bon 8.59. OK. Hein? Ok, ben je vais adapter mon vocabulaire d'abord. juste pour que vous suiviez, si jamais vous levez votre main, puis je vais pouvoir vulgariser un petit peu plus. Premièrement, pour les gens qui nous écoutent, ça va se séparer là en quelques petites étapes, ma chronique. Premièrement, il va avoir ce que ça prend pour jouer au soccer, matériel, etc. Après ça, un petit résumé de ma carrière. Oui. Okay, qui s'est terminé tragiquement. Puis finalement, comment en tant que parent, tu sais, parce que ça commence jeune le soccer, là, comment en tant que parent on peut pousser nos enfants pour qu'ils deviennent des athlètes? Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts! Ouais, okay. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour jouer au soccer? Premièrement, un terrain de soccer. Évidemment. Ça peut être un terrain vague. Mais faut que tu amènes les buts qui sont déjà inclus dans le terrain de soccer. Les lignes sont aussi inclus dans le terrain de soccer. Dans le terrain vague, prévois-toi des petits cônes, des affaires de même. Ça a évité un terrain d'entente. C'est pas un vrai terrain, c'est une expression. Difficile d'y pousser la pelouse. Donc, c'est la première chose qu'il faut. Deuxièmement, pour faire une partie de soccer, ça prend une crèmerie proche. Oui, c'est pour après, sinon, cancel le projet. Ça, c'est quand même vrai, ça. Ben oui. Ça, c'est très vrai. Pourquoi tu penses qu'il y a des crèmeries au Québec? Parce qu'il y a la Ligue Timbits de soccer. Vrai. C'est oui, tout. C'est la même personne. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Exactement. Ouais.
Après ça, ça prend des souliers de soccer, hein. Donc, on sait c'est quoi, les petits crampons, c'est assez effilé, il y a des couleurs, on aime ça. Aussi accepté, des Crocs à clous. faut juste pas oublier de mettre la petite languette en arrière sur le talon. Le mode sport, c'est important. Ouais, le mode sport en arrière, ben oui, ben le mode tout terrain. aussi accepté des souliers de quilles, mais là on va rire. Qu'est-ce qu'on va rire? Oh mon dieu. Je suis vraiment déçu de pas avoir amené mon calepin. je prends des notes. Si ça vous dérange pas, je vais juste continuer, oui, s'il vous plaît. Ben oui, ben oui. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis c'est ça, je t'invitais ailleurs après. Après ça, ça prend de l'hydratation. OK? Mm. De l'eau. Super efficace. À éviter un yop. Ouais, c'est vrai, moyen. Vrai. Ouais. Une canne de lait de coco. Ah ben oui. Pour quelle raison? Ben c'est ça, j'allais vers là. C'est super hydratant, une canne de lait de coco. C'est juste, tu vas avoir besoin d'outils. Pas d'outils. Ouais. Tu vas arriver, tu vas essayer de la... Tu sais, tu vas la casser sur l'estrade. Ça va dégouliner. Tu vas te casser les doigts. À éviter. Dangereux, c'est du juste, métal aussi. Ouais, du métal. Mmh. Dangereux. Tu peux pas passer aux douanes. Ouais. Tu sais, ouais. moi, dans ma jeune carrière, je jouais souvent au Mexique. Ouais. J'aurais pas pu amener mon lait de coco. Surtout qu'il y a pas de recyclage dans un terrain de soccer. Il y a rarement du recyclage. Rarement du recyclage, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a tout le temps un petit coin pour amener tes serres, plus à rien. Alors. Et finalement, à éviter pour s'hydrater au soccer, de l'absinthe. Bon, ah, bah oui. On continue. Il faut un ballon, idéalement un ballon de soccer, ou si accepté, un gros chou, la tête de Guy Nantel, éviter, ça c'était une petite référence pour tous les amateurs du mot, à éviter un Erlen meilleur. Ah bah oui. Si ça a comme une forme, c'est pas rond. On des pourrait se tromper. Monde, on peut-tu jouer au soccer avec un Erlen meilleur? Ouais. Non! Mais c'est pas possible. On rit, mais ça m'est déjà arrivé. Ben, ah ouais? Puis j'ai pilé dessus, il a cassé, puis c'est comme tout rentré dans mes pieds. C'est ça. La vite pendant ça nous est tout déjà arrivé. Steve doit amener le ballon de soccer, yo, son sac, un Erlen meilleur. Tabarnak! Tu vois l'importance d'avoir des suites qui. J'avoue qu'il y a un lien à faire. Hey, surtout la dernière fois, le gars, son Erlen meilleur venait juste d'être chauffé. Ben oui, ça coupe et ça brûle. C'est ça. C'est ça. Bon. Fait que là, maintenant, on sait. Comment, qu'est-ce que ça nous prend? Maintenant, c'est le moment où je vais vous parler de mon parcours d'athlète de soccer. Alors, un parcours qui s'est tiré sur 4 ans. OK. De 2006 à 2010. Et surtout les étés. Surtout une fois par semaine, le mercredi à 17h. Alors, j'ai joué 4 ans au soccer. Je vais vous en parler un petit peu en détail. Si vous avez des questions, gardez-le pour la fin. Je m'en calisse. Alors, première année. J'ai joué dans l'équipe des jaunes, début d'une grande passion. Mon coach me place à l'attaque, à la défense, dans les buts. Y a des gens qui disent que j'étais bon nulle part. Moi, je dis que j'étais correct partout. Ça dépend. Donc, il me faisait confiance dans toutes les positions. On voit vraiment, là, c'est le balbutiement d'une belle carrière. Mmh. Deuxième année, un petit peu de changement. Je suis dans l'équipe des bleus pâles, à ne pas confondre avec les bleus marins qui étaient des hosties de mangeux de marbre. Donc, l'équipe des bleus pâles, je manque à la défense. Hein? On connaît une saison moyenne. Et puis, c'est le début de mes crises d'asthme à la fin de chaque match. Est-ce qu'à l'époque, tu buvais déjà de l'eau de coco ou des... Oui. Okay, oui, je m'hydratais bien. Je buvais eau de coco. Puis un petit peu de sauce soya, mais ça c'était en cachette. Ouais, je comprends. Fallait pas que je un petit peu pogner. De sucre avant un match. Troisième année, je suis maintenant dans les oranges. Et puis là, on s'était trouvé un nom qui a un lien avec les oranges, on était les oranges Tropicana. Non. Trop fort. C'est ça qui arrive quand on donne du pouvoir à des enfants. Alors, cette année-là, après 2 années moyennes, mon père, un rachidique auteur de métier, amateur d'interminables parties d'échecs et ornithologue amateur, se dit qu'il a tout en main pour mener vers la gloire notre équipe. Alors, il prend le poste de coach. Wow. Alors, mon père devient coach. Résultat, aucune victoire dans la saison et 2 fois plus de crise d'asthme. Finalement, 4e année. Aucune victoire en saison régulière. Le tournoi de fin d'été arrive, ou comment on aime l'appeler dans le milieu, la journée au parc en arrière de l'aréna. On commence contre les gris, meilleure équipe. Ils ont des couteaux entre les dents, sont toutes TDAH. Ouais. Le coach, c'est un ancien militaire, ça mange des ration packs sur le banc. C'est carrément. Finalement, on leur chauffe le cul, ils ont peur et on perd. Alors...
fin de ma carrière. Crise d'asthme, je finis à l'hôpital du Haut-Richelieu. Alors, si vous avez des questions, vous l'écrirez en commentaire. Là, vous voyez, à la fin de tout ça, là, mes parents, ils se sont dit, hey, « François, c'est correct. Tu sais, t'es peut-être pas le meilleur. C'est correct. On va t'accepter. Tu veux peut-être plus faire de l'art. C'est correct. » Puis vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas un athlète. Alors, maintenant, j'ai des petites phrases pour encourager vos jeunes dans la performance excessive. Oui. C'est ça qu'on veut, les athlètes? On veut les entendre. Ben, c'est ça. Fait que là, ton enfant, il arrive sur le banc, il dit « J'aime pas ça, le soccer. » Puis là, tu lui dis « Hey! » La slush, ça se mérite. C'est bon, ça. Tu commences avec ça. Ouais. Un but, une molle. Ben, c'est ben. Ça. Tu sais, tu dis, t'iras pas avec les autres à crèmerie, là. Ah, ouais. Après ça, ton enfant, il arrive. Ah, finalement, j'aime pas trop ça, je préférais danser. Hey, fêter Noël, c'est pas obligatoire. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Ton enfant arrive. Ouais. Tu sais, il dit, ah, finalement, j'aime pas ça. Ton grand-père a fait la guerre. Ouais. Ouais. Oh, ça, oui. Tu peux, c'est un petit truc comme parent, tu peux donner ça à tout. Tu sais, je veux pas faire le ménage de ma chambre, ton grand-père a fait la guerre. Ouais. Ça punch. tu peux aussi dire, j'ai 3 enfants et 2 places sur mon testament, retourne. Ouais. Ah, efficace, ça. Ouais. Bon, finalement, quelque chose qui, je l'ai essayé personnellement avec les enfants de mes frères et sœurs. Mm-hmm. Ben, c'est en cours, tout ça, devant le juge. Mais en tout cas, tu peux y dire aussi, hey! J'ai tellement honte que j'aurais préféré que ton frère jumeau survive dans mon utérus pis pas toi. Ah bah oui. Ah, bon, c'est ça, faut avoir des jumeaux ouais. Pis être une madame. Ouais. Fait que ça, c'est mes petites phrases clés à éviter. OK? Ouais. Crois en toi. Oui. Ah ouais, non. Parce que peut-être qu'il va pas réussir, puis là, il croira plus jamais en lui. Non, c'est clair. On veut des bulles, on veut pas de la... C'est ça. Ouais, ouais. T'es capable. Ouais. Oh. À éviter. Parce qu'on veut, on sait qu'il est peut-être capable, on veut qu'il le fasse. Fais-le à la place. Ouais. Puis l'important, c'est de participer. Ça, c'est une phrase de perdre. Ça, c'est une phrase de perdant, excusez-moi. Ouais. Parce que toutes ces affaires-là, là, ça donne pas des athlètes plus tard. Non, ça donne pas des athlètes. Ça donne comme des professeurs aux primaires, des éducateurs spécialisés, des infirmiers, infirmières. Peut-être même des travailleurs de rue, mais pas des athlètes. Ouais, c'est vrai. Ouais, bravo. Des profs d'éthique. Alors, la morale de ma chronique, le sport, c'est le meilleur moyen de se dépasser, d'apprendre à se connaître, de se développer. Mais pour ça, il faut gagner. Ah, yeah. Merci, Montréal. Merci, bien dit. Merci, Montréal. Merci, le soccer. S'il vous plaît. Yes. Merci beaucoup. Merci, moi, Frankie Boy. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de quartiers d'orange après les matchs? Des quartiers, tu parles, mettons, d'un morceau d'orange ou d'un quartier à Montréal dédié aux oranges. Parce que ça serait beaucoup de job de faire ça après chaque match. Après chaque match, un quartier. Un quartier. C'est refoussé avec le climat, là, Montréal. Ouais. Ouais, ouais. Les oranges. Mais moi, je trouve pas ça respectueux. Je parlais du fruit. Ah, le fruit. Ouais. OK. Je pense que c'est très bien, un quartier d'orange. Par exemple, je pense que peut-être comme un T-Bone serait mieux. Ah, ben oui. Tout le monde a un spag après un game. Un spag puis un T-bone après un spag et un T-bone. Parce que c'est ça, tu te rends pas loin qu'un quartier d'orange. Yes. Sinon, l'attitude à avoir envers un arbitre de soccer. L'attitude à avoir envers un arbitre, ça dépend. S'il est bon, ça va bien. Ouais. Tu sais, non, mais s'il voit ton enfant, il est bon, l'arbitre voit ton enfant est bon, ça va bien. Ça va bien. Si c'est un asti de mange-marde, traite-les comme un asti de mange-marde, je veux dire! Je pense que la grosse erreur qu'on fait avec les arbitres, c'est qu'on les considère comme des êtres humains. C'est pas ça qu'il faut arrêter de les considérer comme des êtres humains, puis après ça, c'est là que tu peux les former comme tu veux. Ouais, les modeler. Exact. Ça, c'est intéressant. Mais tu sais, faudrait considérer chaque arbitre un petit peu comme on considère Mathieu à 17 ans qui coule son permis de scooter, c'est que tu l'écrases dans le fond. En gros, c'est juste un moins que rien. C'est vrai. Moi, je pense que même dans les matchs professionnels, tous les arbitres devraient être des arbitres maison. Ça devrait tout être des arbitres qui ont été formés par le club où l'équipe va jouer. Avec des règles secrètes. Exact. Tu devrais toujours. Des codes de main. Ils donnent des punitions ou des règles inventées. Ouais, c'est clair. C'est ça. Au stade Saputo, désolé, mais regardez l'arbitre dans les yeux, c'est carton rouge. Mais seulement quand l'équipe visiteuse. Au stade Saputo, faut toujours avoir du fromage dans les poches. T'as pas de fromage. Et voilà. Ça devrait toujours être un biais puis t'arbitres peut-être. Ah c'est ben bon, oui, ça. Ben oui. Je sais pas, mais t'arbitres à soi. Ça se pourrait. Ouais. Ben, gros merci, François. Yes, merci, Frank. Écoute, ça fait plaisir. Puis, félicitations encore à vous de m'avoir invité. Je pense que j'étais un plus-value pour le soccer au Québec. Merci. C'était la chose qui nous manquait.
Ouais, parce que pour certains, je suis boring. Non, c'est pas toi qui es boring, c'est tes nouvelles. La CPL, tu pourrais, tout le monde se crise la CPL. Non, c'est pas vrai. Qui regarde les matchs de CPL ici? Moi, j'en écoute. Ah, moi, j'en écoute un peu. J'écoute des faits saillants. Écoute, tant qu'à pas CF Montréal. Hein? Tant qu'à. J'en regarde même pas CF Montréal. Je veux pas me mettre à regarder la CPL. Ah, là, 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 c'est vrai, ça. L'autre fois, j'étais au Sans Saputo avec toi. T'étais sur Netflix. Ouais, sur. Non, mais pour rien, contre Toronto, j'étais encore traumatisé, là. Ah ouais, hein? Hey, c'était plate, c'était mauvais. Là. Le premier ou le deuxième match ou les deux? Ben non, mais. Attends. C'est lesquels? Celui qui s'est venu en batteur, là? Non, lequel? Ouais, les deux se sont finis en batteur. Non, mais, celui où Marshall Rudy est revenu sur le terrain pour faire des fuck you. Ouais. Même après avoir eu son rouge. Okay, mais la deuxième demi était le fun, mais la première demi, honnêtement, c'est la pire demi que j'ai vue de ma vie. Là. Puis je suis traumatisé, je suis même pas allé au stade, ça me fait à cause de ça. Veux-tu savoir qu'est-ce qui est le plus fun là-dedans? Quoi? La troisième demi. Oh yeah! Ouais, peut-être, parce que comme. Non, j'ai pas aimé ça. Ça, c'est ici, ça. Ouais! Yes, sir. Ah oui, shameless. Hey, ça nous tente-tu de parler de soccer, guys? Ben oui! Parfait. Pour ou contre les quatre? Non, c'est pas vrai. Mais samedi dernier avait lieu un match entre le CF Montréal et Vous avez parlé du CF Montréal? Peux-tu comprendre? Ben, as-tu un sujet? Non, je peux-tu genre jouer à Switch pendant que comme. Ben oui. Si tu veux, tu vas aller rejoindre Elias Iliadis. Non, c'est good. Je pense qu'il va aimer que t'aies des jeux. C'est quoi les jeux que t'as? Je joue à Pokémon Scarlet. Pour vrai, j'ai vraiment. T'as vraiment une Switch? C'est vraiment le fun. Mon ami, il a passé Pokémon Arceus. C'était pas bon. C'est pas ça, un podcast! Non, c'est pas ça, un podcast. Pour les enfants, je pense, puis nous, on est des adultes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Good. Victoire de 1-0 contre l'Inter Miami. Un but de Chinoso offert à la 53e minute. Ouais. Où est-ce qu'on mérite absolument rien, mais on va le prendre quand même. Ouais. Vous entendez sûrement les sons de T'es quel Pokémon? Hein? Ben, je suis pas un Pokémon, là, tu sais, je suis le dresseur. Ben, toi, t'es un maître dresseur. Ben, toi, ouais, mais dans le jeu. Mais là, c'est comme un. Pas marmotte, là. C'est comme un petit pomme qui évolue, puis là, il est comme. Je pète tout le monde, là, pour rester en ouais. Fait que Mathieu, tu disais 1-0 pour CF Montréal contre l'Inter Miami, c'est ça? Un but de Chinoso à faire la parfait. C'est pas ça, un podcast. Non, ben, regarde, si on peut faire un peu de pouce sur cette game-là, je pense que le match est à Joe Sirois au complet. Oui, mais j'aimerais faire un gros big up à Joel Waterman. Pendant ce match-là, il a été le meilleur défenseur, clairement, et il a bloqué facile 3 ou 4 occasions de mise en scène de but de la part de Miami, qui était très menaçant tout au long de ce match-là. Mais ouais, moi, ça serait Joel Waterman de ce côté-là. Mais là, ça fait dur loin de ce match-là, je sais pas. Moi, j'ai tendance à mettre l'accent sur Aaron Herrera. Oh. Il est très bon, hein? Ouais, il était super bon. Très solide, j'ai aimé ce qu'il a porté sur le terrain. Il était très explosif, amenait des ballons dans la surface de réparation, commandement de... pour sa position. Donc, moi, Herrera, c'était comme mon joueur, là, mais gros charlotte à lui qui a finalement marqué un but. Ouais, exact. Puis toi, François, à part Sakou Koivu, ton joueur préféré? Yanni Ninima. Mon joueur de soccer préféré, ça a toujours été la même personne. Moi-même. Mario Striker Luigi. au McDonald's. Ça, c'est pour les puristes, en plus. Ça, c'est pour les puristes. T'enfonce B, puis t'as le crinque. T'en! Un but, un special. Ouais. Sinon, moi, quand je jouais dans les bleus, il y avait Laurent dans mon équipe, il était bon. Ah, il était pas fait. Il était bon. Je me rappelle juste plus de son nom de famille puis de sa face, mais il me semble qu'il était bon. Ah, il y a plus de face après Mario Striker. Non, c'est vrai. Plus. Mais ouais, mais c'est déjà loin comme match, victoire de 1-0, puis merci, bonsoir, on prend les 3 points. Puis... Ben, c'était quand même vraiment plate. Seule chose que j'ai marqué pour ce match-là en plus, mais j'ai l'impression que c'est depuis le début de l'année, Montréal fait ça, là, mais nos premières demi sont catastrophiques. Mais voulez-vous qu'on parle de d'autres choses? On va y aller. Le match de hier, la première demi. Ben justement, Étienne devait clairement s'endormir tellement c'était plate. J'ai même pas regardé, j'ai fait un frisbee, mais je me suis fait mal à l'épaule. Ça va-tu mieux? Mais mal encore. Je comprends. Un athlète. Ouais. Ouais. Ben, le match d'hier est... On aurait pu le perdre mille fois sur toutes les chances qu'on aurait pu avoir. On a été chanceux de chez chanceux. Bah, mais on a volé un point. Oui, rien de moins. Là, on peut remercier Sounoussi, Ibrahim. Ouais, pour vrai. Et Ariel Lasseter, un but, une passe chaque. Les deux. Mais on dirait que Lasseter, il a joué le match complet. Là. Ça a vraiment débloqué quand Sounoussi est rentré. Fait que je pense même Zachary Brugia aussi, ça a quand même débloqué son côté. Moi, j'ai bien aimé sa prestation. Là. Ouais, pas laid. Puis le carton rouge qui n'a pas été collé, perso. Ouais, ça, là. C'était, voyons, O'Brien, right? O'Brien, ouais.
que ouais, c'est donné un coup de crampon derrière le mollet, j'étais comme mm-hmm. Ouais, mais ZDG puis Losada, ils ont genre collé à la ligue là. Ils ont call out la ligue après match. Il va avoir une suspension après fait là, mais comme sur le coup, c'est arrêté. Suspension, je penserais pas, cave, mais là. Peut-être plus une amende. Là, mais il va y avoir des répercussions, ça c'est sûr. Mais oui. Puis c'est cave là, parce que surtout que Montréal, il venait d'enfiler deux buts. Genre back-à-back, là. Oui, on a le vent d'un voile, puis il y a ça qui arrive. C'est comme, il y a une différence dans ce match-là entre y a un carton rouge à ce moment-là ou non. Mm-hmm. Tu sais, genre, et avec le vent d'un voile de même, on vient d'en mettre deux, là. C'est sûr et certain qu'on gagne ce match-là si le rouge est calé. Je vois pas comment on compte pas. Puis ils ont été capables de concrétiser devant le filet. Ouais, parce que je me rappelle, Soumoussi Brim avait quand même une bonne opportunité de marquer, rentre dans la surface de réparation, nous fait une Saphir Tider en l'envoyant dans les airs. Donc, Une Saphir Tider. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, ouais, c'est une belle expression, j'aime ça. Ouais. Fait quoi, on aurait pu la remporter. J'embarque dans ce train-là. faire une Saphir Tider. Faire un Tider. Et voilà. Après, le Finlandais volant, c'est quoi? C'est Tider, il est algérien? Ouais, algérien. Ouais, l'algérien volant. c'est une passe de Tider, ça. Est-ce que tu avais un joueur du match pour cette rencontre-là? Pour hier. Celui-ci, là. Un Goomba. Le champignon de Mario Bros. OK. Non. Le joueur de soccer. Ah, le joueur, ben oui, le Brésilien Goomba. Mm-hmm. Moi, j'ai attrapé le disque. À peu près, j'ai fait 10 buts hier dans la victoire de mon équipe au frisbee. Fait. Ah ouais? Ça pourrait être moi, joueur du match, si vous voulez. Okay, pour le Royal de Montréal ou... Non, pour comme... Les Noirs à Saint-Hyacinthe. Ah, OK, ben oui. Dis de même, ça sonne tout cool. Non. Mais j'étais dans l'équipe. De... Ouais, il y en a pas beaucoup. Hein, dans ce... non, ben... Ils sont trois. C'est comme les oranges dans l'équipe à... Ah, mais c'est ça. C'est ça. François, je m'excuse. Aïe. Ah, mon cher. Hey, mon cher. C'est vrai que moi, je dis pas vos noms, mais mon c'est réfléchi. Je sais pas non plus. Vous êtes deux gars de la région de Saint-Jean, en plus. Là. C'est vrai? Ah, ouais. Moi, je suis Chambly. Ça compte pas. Tu dis que j'étais de Saint-Jean. Non, mais t'as dit au Richelieu, l'hôpital. Donc. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que c'est l'hôpital le plus proche. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de rancune. Chambly, sans rancune aucune. Aïe, aïe, Richard s'est reculé de deux pieds depuis qu'il y a... Non, il craque sa shot. Yes. Comme dans Mario Striker, je vais craquer mon poing. Toi, t'étais de Saint-Jean? Ouais, Saint-Jean, ouais. Nice. Mais ça, c'est quand même des discussions qu'on pourrait avoir après le podcast. Je pense. Mais ça, c'est en fait les deux derniers matchs, deux matchs vraiment plates. Ils sont toutes fucking plates! Mais ils sont tellement plates que, tu sais, les fameux recaps que. Y'a rien! Mais non, mais c'est comme mise au jeu première seconde, après son skip à la 33e. Puis c'est comme, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est vrai. Pendant 32 minutes. Qu'on skip 5 minutes, je peux comprendre, mais que ce soit plate à ce moment, en tout cas. On joue contre Philly samedi, ça va être ça. Yes. Mon beau Richard, avais-tu une chronique? Ouais, en fait, j'avais un petit jeu à vous faire. C'est pas vraiment un petit jeu, mais en fait, c'est par rapport au match des étoiles de la MLS qui va avoir lieu le 19 mm-hmm. juillet à DC, à Washington. Puis j'ai décidé de faire un petit 11 partant. Même c'est un contre 18. Qui? Ils vont jouer contre qui déjà? Contre Arsenal. Contre Arsenal, hein? Ouais, ok. Ouais. Ouais. Comment je peux oublier ça? C'est ton équipe, voyons. C'est mon team, mais c'est... Ben quoi, j'ai fait un... L'équipe qui a fini deuxième en Premier League? Ouais, tu vas changer de ton, Étienne, quel flop! Mais attends, toi, c'est quoi déjà ton club? Manchester United? Ouais, mais nous autres, on n'a pas été premiers pendant 8 mois. Non, c'est bon. C'est cool. Non, mais vous avez payé 80 millions pour Harry Maguire. Hey, ça, là, l'argent, il va falloir que j'en parle une autre fois. J'ai pris des joueurs déjà établis dans la ligue, puis j'ai pris des pépites. Donc, Donc, dans les buts, j'ai Georgi Petrovic du côté de la Nouvelle-Angleterre, ben oui, qui est un excellent gardien selon moi. Mm-hmm. Mm-hmm. D'ailleurs, je sais pas à quel point tu veux développer là-dessus, mais selon toi, il va-tu partir cet été? Ah, moi, je le vois partir, clairement. Ouais, moi aussi. Et toutes les qualités pour aller en Europe. Ah, il est si jeune que ça? Il a 24 ans. Ok, let's go. Puis il a été acheté pour beaucoup d'argent pour remplacer Matt Turner qui est rendu Arsenal justement. Donc il y avait quand même des grandes attentes à son égard. Puis il est vraiment la marchandise. Ouais, let's go. Puis au niveau de la défense latérale gauche, j'ai pris Alvaro Barreal du côté du FC Cincinnati. Ouais. Défense centrale, j'ai pris des joueurs établis comme Walker Zimmerman et Maz Robinson. Mm. Ça va, ça. Ouais, t'aimes pas ça? Non, c'est bon, c'est ça, là, ça va. Moi, je suis d'accord, Est-ce que, selon toi, on aurait dû mettre Bowser? Non, je pourrais dire ça, c'est ça. Non, il n'y a pas rapport, là, ça. Puis j'ai pris un petit gars de chez nous, Mohamed Farsi. Yeah! Mon Farsi? Ouais, défenseur latéral droit. Puis c'est un 11 un petit peu atypique, genre, c'est pas un 11 parfait. Puis, il est si bon que ça, Farsi? Ouais, je le trouve vraiment. Il joue dans quelle équipe, lui? Columbus. Columbus. C'est quoi la couleur?
Jaune et noir. Avec des damiers. Des petits carrés comme le drapeau de NASCAR. Okay. Genre, quand tu regardes l'équipe jouer, t'es pas sûr si c'est un essaim d'abeilles ou une équipe de soccer. Ouais. L'équipe fait bzz, bzz, bzz. Ouais. C'est celle-là. Ok, c'est bon, correct. Je pense que c'est notre meilleur podcast, gars. Ouais, clairement. Moi, j'ai beaucoup de fun. Là, t'es quel Pokémon? J'ai tout le même. On continue. J'ai pris Aiden Morris. Okay. Un joueur du crew. Audacieux. Ouais. Le gars qui est peut-être un Canadien. Ouais, c'est ça. Okay. Puis justement, vu qu'il joue avec Darlington Nagby, ben, ça donne des bons arguments pour, puis c'est un excellent joueur aussi. Ouais. J'ai pris Obinna Nwobodo. Personne ne le connaît, mais moi, perso, c'est un milieu de terrain. C'est ton boy? Ouais, c'est mon boy. Okay. Je suis en amour avec ce gars-là. Très sous-estimé à travers la ligue. Il joue pour qui? Cincinnati. Ok, bah ouais. Moi, je le compare un peu à un Casemiro. Okay. Dans le sens où... Quasimodo? Quasi... ça va mal pour le soccer. Casemiro, dans le sens où c'est un gars qui ne pas beaucoup de ballons et qui est très important pour le club. Ben, en ce moment, j'ai l'impression qu'on pourrait mettre tous les joueurs de Cincinnati et ça serait l'équipe. Mm-hmm. Genre, l'équipe All-Star de la Ligue. Là, ouais, ils sont trop forts. Mais à plusieurs positions, je serais d'accord. Ben oui. Mais genre, je prendrais comme Vasquez à Costa. Ah, ça, c'est sûr. Ah, mais s'ils ont un record de la Ligue en ce moment, le plus de points après 15 matchs de tous les temps à MLS. On va attendre, il y a des achats qui vont se faire. Ben non, je sais bien. Mais en même temps, c'est quand même révélateur. Là. Oui. L'année passée, il était déjà bon, mais cette année, c'est un bon fruit frais. Là. C'est un quartier d'orange. Oui, c'est une mangue. Mangue bien juteuse, mais oui, une tu bonne peux continuer, bon Rich. J'ai pris Thiago Almada, ce qui est pour moi un no-brainer. Oui, oui. Denis Bouanga. OK. Thales Magno, qui est mon chouchou. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est mon chouchou. Moi, je l'aime depuis qu'il est arrivé en MLS. Ouais, il est malin. Et en attaquant, comme numéro 9, j'ai Giorgio Gakoumakis. Un attaquant qui joue pour Atlanta, qui est super solide, qui a joué pour Glasgow, qui a fait pas mal de buts dans sa carrière, que ce soit avec... Celtic, avec sélection nationale, puis même avec Atlanta. Donc, pour moi, Gakoumakis, c'est mon gars. OK, OK. Voilà, c'est mon 11. Nice. Atypique. Wow. Personne de Montréal. Hein? Non, mais j'ai mis Chouinard sur le banc. Ah, let's go. Ben, ouais, il mérite. Fair enough. Pas d'Herrera? Il est bon, Herrera. Non, même pas. Pas assez. Mettons juste de même à chaud. Aurais-tu un coach pour cette équipe-là? Ben, j'ai mis Rooney, vu que c'est lui qui va comme coacher. Ah, fair enough. Ouais. Ah, ouais. Marc Dupré, sinon. C'est le deuxième choix. Sinon, j'aurais mis Marc Dos Santos, bien évidemment. Il est assistant à LFC, right? Ouais. Avez-vous vu, by the way, hier, quand Montréal a fait son deuxième but, quand Wanyama est genre allé crier devant Losada, c'était hot. Avec Waterman, les deux, qui se crient après. Parce que Losada, c'était quand même son ancienne équipe, DC. Fait que d'aller voir les boys, genre aller crier devant le coach, de genre yes! Oui, oui, c'est le commentaire d'avant match. Ouais, c'est comme revenir chez la maison de son ex. Ouais. Ça, c'était quand même drôle. Ouais, puis ça a fini weird là-bas, on s'entend. Genre, comme la relation qu'il aime pas. Ouais, mais c'est Losada aussi qui est problématique. Full, je sais pas. Ben, de ce qu'on a cru comprendre, oui, là, tu sais. Sauf qu'en même temps, de voir tous les joueurs aller sauter dans ses bras à la fin du match. Je pense qu'il a réussi à mettre au avec Camara et tout, là. Je pense pas que c'est pour rien aussi. Non, c'est clair. Je comprends. Merci, Rich. Étienne, t'avais-tu un petit quelque chose pour nous dire? Ouais! Non, des Pokémon, c'était dit avec beaucoup, c'était dit avec beaucoup de force, tout ça. Là. En Angleterre, là, il y a eu vraiment beaucoup de changements d'entraîneur cette année. Je pense que c'est dû au fait qu'au milieu de la saison, il y avait encore 10 équipes qui étaient en danger de relégation. C'était vraiment fou. Fait que pas mal tout le monde a perdu son emploi, surtout dans le bas du top 10. Puis il y a des équipes aussi qui ont viré leur coach deux fois. T'sais, qui se sont retrouvés avec trois coachs pendant la saison. Des fois, on a juste viré l'intérim ou viré le coach qu'on avait signé pour 6 ans et qui on salue Chelsea. Ouais. Fait que moi, j'ai regardé les points par match des entraîneurs cette année. Puis je vais vous demander pour les grosses équipes, là, parce qu'on parlera pas de Bournemouth puis West Ham. West Ham a pas viré son entraîneur. Non, je sais. Mais oui, c'est ça. Non, mais pas gros club. Ça dépend dans quoi? Dans l'univers de Ted Lasso? West Ham a renvoyé Nate de Grey. Ouais, ben, c'est une autre affaire. C'est vraiment une autre chose. Mais oui, c'est ça. Fait que j'étais allé checker les points par match pour savoir si ça avait été une bonne affaire de virer le coach ou non pendant la saison. Ah. Tu sais, justement, j'avais regardé Bournemouth, mais Bournemouth, il avait viré leur coach après 4 matchs, puis dont une défaite de 9-0 contre Liverpool. Fait que c'est pour ça qu'on l'avait viré, puis ça avait fonctionné. Tu sais, aussi,
Bournemouth a réussi à se maintenir. Fait que, tu sais, ça, c'est bien. Chelsea, est-ce que vous pensez que c'est un bon move de virer Thomas Tuchel? Non, c'est pas. Il y a eu 4 entraîneurs différents. Si on compte Bruno Saltor Gros qui est venu faire l'intérim entre Potter et Frank Lampard. Ça a duré combien de temps son règne? Un match, ok. Ouais. Sauf que les 4 entraîneurs ont une moyenne de points comme descendante là. Ah ouais? De 4 là. Genre Thomas Tuchel c'est 1,67. Okay. Graham Potter 1,27. Bruno Saltor fait un match nul, donc 1 et Frank Lampard de 0,56. Faut arrêter de donner un coup à Frank Lampard. Faut juste arrêter de se donner des clubs. Non, c'est ça. Brighton, mais tu sais, Brighton, je compte. Ils ont pas viré Potter, mais comme. Il est parti. Mm-hmm. Mais il avait comme pas perdu en 6 matchs. Fait que c'était comme sûr que le changement allait pas faire mieux. Là. Ouais. Wolverhampton, ça a fonctionné d'avoir viré Bruno Lage pour mettre Roulin Lopetegui. Okay. Même chose pour Aston Villa, on a viré Steven Gerrard. Comment il s'appelle? Unai Emery a comme. Deux fois plus en. C'est souvent ça. Il y a deux fois plus en points par match. C'est hallucinant. Okay, le Lopetegui, ça a été un gros call. Southampton, est-ce que vous pensez que on a viré le coach deux fois? Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne... Moi, je dis que c'est pas mal, les gars. Moi, je l'aurais viré quatre fois. Ah, moi, je pense que oui. Je pense que c'est non, positif. Southampton, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais, Ralph Hasenhüttl avait des statistiques meilleures que les deux personnes qui l'ont renvoyé. Qui l'ont suivi. Puis, ben, l'équipe s'en va jouer au Championship l'année prochaine. Everton, virer Frank Lampard, ça a fonctionné. Parce que c'est Frank Lampard. Personne n'est surpris. On a mis Sean Dyche. Leeds, ça a pas fonctionné. Ah ouais? D'avoir viré Jesse Marsh. Jesse Marsh avait des meilleurs stats que ses prédécesseurs. Let's go. Ben, Crystal Palace, ça a fonctionné. Tu sais, quand on a viré Patrick Vieira, c'était comme dangereux. On avait peur de se faire reléguer. Puis, veux pas, Roy Hodgson a steppé up la game. Ouais. Les Spurs. Vire Antonio Conte. Eh là là. Pire affaire à faire. Ça va pas, là. C'était effectivement la pire affaire à faire. On a viré l'intérim Christian Stellini après 4 matchs pour mettre Ryan Mason, puis aucun a les stats d'Antonio Conte. Quoique les stats à Conte étaient quand même décevantes pour une équipe qui vise le top 4. Oui. Je me demande, Tottenham, pourquoi? C'est juste ça ma question. Il n'y a pas d'explication, c'est juste Tottenham. Non, mais cette équipe-là gagne rien et bye, j'ai pas de couleur. Je trouve que c'est la meilleure pire équipe à suivre. Je t'entends. Ouais, Chelsea cette année, c'était quand même dur. Ouais, c'était tough. Oui, je sais, mais historiquement, Chelsea, il y a eu un beau moment. Ouais, exact. Et finalement, Leicester, Brendan Rodgers, est-ce que son successeur, Dean Smith, a eu des meilleures stats que. Non. Je penserais pas. Non. Ouais. Il y a eu des meilleures stats, on l'a viré après 28 matchs, Brendan Rodgers. Le mal était fait, malheureusement. Okay. Si on l'avait viré plus tôt avec Dean Smith, on aurait peut-être réussi à se maintenir. À rester. Fait qu'en gros, sur les 11 équipes qui ont viré leur coach, il y en a 6 que c'était bénéfique, 5 que non. Fait que je vous laisse tirer vos conclusions. Ok. Ben gros merci, Étienne. Ça fait plaisir. Yes. Merci, François. Yes, thank you, Frank. Merci. Je reviendrai. Bienvenue. Merci à toi, Mathieu. Yes, on s'en va se faire un petit 3 contre 3. Yeah!